Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus l'a dit dans les Saintes Écritures. Illustration directe donc, la défense de la patrie, notre patrie à nous tous, le Cameroun, en proie ces dernières années à des attaques multiformes, notamment la menace terroriste de Boko Haram à l'extrême nord, celle des bandes armées séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et des exactions des groupes rebelles le long de sa frontière avec la République centrafricaine. Les gens sont à Yaoundé, ils ont leurs familles. Dans ce concert de l'engagement de forces de défense et de sécurité sous le drapeau national dans la lutte contre ces menaces, la région de l'Ouest a apporté et apporte encore sa contribution à travers l'envoi de ses hommes et femmes sur les différents terrains des opérations. Police, gendarmes, militaires et autres corps d'élite au péril de leur vie pour la défense de la patrie ont certains perdu un membre, un sens, une faculté physique ou morale. Au sein de la police, par exemple, force de première catégorie spécialisée dans le maintien de la paix et la stabilité des personnes, l'envoi des hommes au front est un devoir car la patrie n'a pas de prix. Renforce l'extrême nord, reste renforce également le nord-ouest en termes des effectifs pour les appuyer dans le cadre des missions de lutte déjà de côté de l'extrême nord, de lutte contre le Boko Haram et de côté de nord-ouest dans le cadre de la lutte contre les sécessionnistes. Et nos effectifs, ils font vraiment des travaux magnifiants. Et on a reçu des échos favorables, surtout en termes de discipline. Et beaucoup sont rentrés, sauf, sains et saufs. Défendre jusqu'au sacrifice suprême, les hommes du délégué régional à la sûreté nationale de l'Ouest, Simon Bankwenezibi, l'ont fait et n'ont jamais renoncé, notamment à Bamenda dans le Nord-Ouest, à Fongo-Tongo, Babadjou, Galim, Bangourin du côté de la région de l'Ouest. Sont plutôt motivés et sont prêts à aller encore sur cet front pour que la paix revienne. Donc nous sommes prêts à tout moment et nos collaborateurs sont prêts à le faire chaque fois que la hiérarchie nous sollicite. En cas de blessure, la prise en charge des blessés légers s'est fait immédiatement sur le plan régional. Et les cas un peu plus critiques sont évacués dans les centres de santé militaire des grandes métropoles, à savoir Yaoundé et Douala. La division de la santé est chargée de veiller sur la santé du fonctionnaire policier à l'Ouest, son moral, son état d'esprit, pour qu'il puisse servir le peuple comme ses missions lui sont assignées.
L'hôpital de la police sert en priorité les policiers et aussi les civils qui se présentent à nous. Après l'hospitalisation, beaucoup par envie de défendre l'intégrité territoriale du Cameroun émettent parfois même des demandes de retour au front pour poursuivre la bataille. On n'a que quelques cas de certains qui sont rentrés avec des blessés, mais immédiatement notre centre de santé est toujours de notre côté pour nous appuyer et on a sauvé beaucoup de vies. Et nos collaborateurs qui sont rentrés sont plutôt motivés et sont prêts à aller encore sur cette front. Les séquelles restent. Ils ont pas mal de séquelles, comme on appellerait ça le syndrome post-traumatique, parce qu'un blessé de guerre garde toujours un grand traumatisme de sa blessure, d'une attaque terroriste. Hein. Mais je puis vous assurer que ce sont des fonctionnaires valeureux et qui sont prêts à retourner servir la patrie comme il se doit. Il n'y a aucun souci de ce côté. Servir avec honneur et fidélité sous le drapeau de son pays est symbole de la joie et de la fierté nationale envers soi-même. Car tous le savent comme un credo commun, ma patrie d'abord. Pour cerner davantage la bravoure et l'héroïsme de nos soldats, l'on va quitter la MUFI pour le département du Nône, notamment à Koutaba, centre de formation des paracommandos, à la rencontre des parachutistes, des habitués des zones conflictogènes. Le bataillon de troupes aéroportées de Koutaba, au-delà de son intervention dans les conflits qui engagent le territoire camerounais, a été également plusieurs fois sollicité dans le cadre des missions commandées relatives à la stabilisation de certains pays frères et amis du Cameroun dans la sous-région Afrique centrale. La première médaille à gauche, c'est une médaille de la participation à la mission du maintien de la paix en République centrafricaine. Oui. La deuxième, pareil, sauf que c'est plus tard qu'on nous projette et c'est dans le cadre de la participation à la même mission, sauf que les années ne sont pas la même. Et puis la troisième, c'est quand nous partons de la mission de maintien de la paix pour la stabilisation en Centrafrique, pour l'Union africaine. Quand nous avons de corps de la troisième médaille. Et la dernière, c'est quand nous allons, quand le mandat de l'Union africaine passe au mandat des Nations unies. C'est ainsi qu'on nous décore pour cette médaille après avoir fait 23 mois, 23 jours en République centrafricaine pour stabiliser la paix. Je suis entré dans les forces de défense camerounaises parce que j'aime ma nation et j'aime bien la défense. Merci beaucoup. Ça, c'est une médaille qui vient de la Force multinationale. Je l'ai obtenue à la Force multinationale, dont le PC est en N'Djamena. Et le premier secteur est à Moura, commandé par le général Bouba Débécréo. Donc, après avoir combattu durant 14 mois, c'est à la fin des missions dont on m'a décoré par cette médaille. Et j'aime mon pays et je suis fier de défendre mon pays puisque depuis que je suis entré dans l'armée, je n'ai jamais eu à faire 5 mois sur place. J'ai fait 5 fois l'émergence, 1 fois la force multinationale. J'ai ici mené un combat au niveau de Baminda, Andjikwa.
Aux hommes valeureux, la patrie reconnaissante. Ainsi donc, leur bravoure et leur engagement sous le verrou jaune ont valu à certains des distinctions honorifiques, célébrant la victoire sur l'ennemi. J'ai ma médaille de la vaillance. J'ai eu ça depuis 2014 à la bataille de Kamuna. Ça a daté bien sûr, mais c'est à la mémoire de tous, ça ne peut jamais quitter dans la tête des Camerounais, auxquels on a combattu rudement et défendre vraiment l'intégralité de notre territoire national. À tout moment où le haut commandement nous désignera pour partir, nous sommes prêts déjà au bataillon de troupes aéroportées. Tout le monde est drillé. Donc on est prêt en tout cas. On est prêt. Ici c'est l'addition de 3 médailles. Donc c'est celle-ci que j'ai pu obtenir à Bakassi lors d'une attaque de pirates. Et c'était précisément le 24 juillet 2008 à Kombo Adjanéen où on est donc allé en renfort. Au cours de cette bataille, on a eu à faire 8 prisonniers et on a eu à récupérer aussi 10 armes de guerre et un important stock de munitions de guerre. Grâce à la contribution du BETA, plusieurs missions délicates ont été menées avec succès et professionnalisme dans la région de l'extrême nord. Certains se rappellent comme si c'était hier, avec en prime des marques de reconnaissance sur la poitrine. La bataille de Kamuna en 2014 à Bargaram, il s'est passé un combat inestimable à 16h30. Il y a eu l'échange de coups de feu entre l'ennemi Boko Haram et nous. Ils nous ont subi dans le dispositif dans lequel nous étions en patrouille. Ils sont arrivés à 16h30. Ils ont commencé à tirer. Nous avons riposté énergiquement. On a quand même pu avoir 7 parmi eux, dans lequel il y avait l'adjoint de Chicago, Boubacar Chicago. Nous nous sommes en sortis. Le renfort est venu de Makari, qui nous ont secoué avec les blindés et les BJ, les 14-5. Qui nous a permis de sortir du dispositif du coup de feu de l'ennemi. Nous sommes arrivés vers Kousséri, tout s'est bien passé. Moi, j'ai été légèrement blessé vers le dos, mais par la grâce de Dieu, on m'a évacué en Djamena, je suis rentré. Par la grâce de Dieu, je me porte bien et je suis très content de servir mon pays et je vais donner ma vie pour ma patrie parce que j'ai signé, j'ai l'honneur. Et vraiment, je passe ce message aux Camerounais et aux frères camerounais qui aimeraient venir dans l'armée. Nous sommes là pour servir la patrie et nous donnons notre vie pour la patrie. Il ne faut pas que les gens aient peur. Et le BETAP, c'est le meilleur corps d'élite du Cameroun. Il n'y a pas d'eux. Nous sommes fiers d'en être là et nous serons toujours fiers d'être au BETAP avec nos chefs. Une opération qui m'a beaucoup marqué, c'était dans le sud-ouest où on avait été appelé pour aller détruire une base ennemie. Et pendant cette période, quand on montait sur l'assaut de l'ennemi, deux de mes hommes avaient été blessés, deux de mes soldats avaient été blessés. Et ce qui m'a beaucoup plus marqué pendant cette période, c'était la détermination que les hommes avaient eue après avoir vu leurs camarades blessés. Oui, ils me disaient, non, mon lieutenant, ici, on ne peut pas rentrer. Il faut qu'on parvienne à neutraliser tous ceux qui ont tiré sur nous. Donc, ça m'a aussi encore donné plus de motivation. Ceci nous a permis même de passer plus de temps sur le terrain qu'il n'en fallait. Et tous ceux qui avaient été blessés ont tenu bon. Et après, on a procédé à une évacuation. Et aujourd'hui, ils se portaient bien. Et après, malgré leurs blessures, ils sont dans les rangs, toujours déterminés à se déployer. Parce que pour eux, ils ont versé de leur sang. Il n'est pas question qu'ils baissent les bras. Toutes les dispositions médicales sont prises ici à Koutaba pour mener à bien la prise en charge rapide des blessés. Le centre médical du bâton de troupes aéroportées a pour vocation
d'apporter un soutien santé à la formation dont il porte le nom, le bâton des troupes aéroportées et aux populations environnantes. Oui. Ici, on fait de la médecine générale, la petite chirurgie, la gynéco-obstétrique, le programme élargi de vaccination. Bref, on offre tous les services offerts dans un centre médical d'arrondissement. Si vous venez le matin, allez-y. Il y a un autre qui est là, monsieur. Au retour, beaucoup reviennent avec ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Maintenant, nous, à notre niveau, nous essayons de... Bref, nous les recevons, nous leur faisons des séances toujours de prise en charge psychologique. Ça, c'est commun pour tout le monde. Et maintenant, pendant les séances, on détecte ceux qui sont un peu plus... dérangés, nous les prenons au cas particulier. Oui. Et sur le plan psychologique, au retour des combats... Conscients du rôle qu'ils doivent jouer au nom du drapeau national, les soldats du BETAP, internés dans des infirmeries, n'ont qu'une seule idée, se rétablir et repartir. Et sur le plan psychologique, au retour des combats, vous savez, le paracommando est appelé à prendre les plus gros risques. Les plus gros risques. Comme vous avez vu dans la devise, audace, témérité, efficacité. La témérité dont ils ont un moral d'acier et au retour des opérations, ils sont toujours prêts à recommencer avec bon cœur. Respect des équipements balistiques, c'est-à-dire le casque et le gilet. Vous voyez, c'est ces objets qui protègent les instruments, qui protègent les organes vitaux. Oui. Et deuxièmement, on les forme à ce qu'on appelle au sauvetage de combat. Donc chaque combattant doit être capable de poser les premiers gestes pour arrêter une hémorragie, libérer les voies aériennes. Et c'est ça qui permettra de sauver la vie de son camarade. Merci beaucoup. Autre disposition, mon adjudant-chef. Aux côtés du BETAP, il y a aussi la gendarmerie, qui s'illustre au quotidien par des actes de bravoure de grande classe sur les différents fronts de conflit. Ici, à la Légion de gendarmerie de l'Ouest, les éléments placés sous le commandement du commandant de Légion, le colonel James Mbangminlo, effectuent des missions régulières dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi une présence permanente dans les villages de l'Ouest, limitrophes avec les deux régions en crise. Le mode d'intervention des éléments sur le terrain des opérations obéit à un circuit rotatif. Tous les 6 mois, l'effectif sur le terrain est renouvelé par l'envoi d'autres éléments. Thank you.
Les soldats dans la région de l'Ouest Cameroun, région limitrophe avec le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, n'ont cessé d'avoir les larmes aux yeux, la douleur dans les muscles pour exalter avec fierté leur engagement sans faille sous le drapeau pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre grande et belle patrie, le Cameroun.